Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue dans cette conférence 5B, conduire efficacement le changement dans son entreprise en mobilisant ses parties prenantes. Je suis Camille Muller, je suis chef de projet RSE chez Réseau Alliance. Et pour cette conférence, j'ai le plaisir d'être accompagnée de mes différents intervenants. Alors, on a avec nous, à ma droite, Amandine Bouin, qui est responsable RSE chez Supermarché Match. Bonjour. Gaëlle Derbez, qui est care leader chez Tape à l'œil. Bonjour. Et Hervé Lherbier, qui est directeur régional chez APF France Handicap pour la région Hauts-de-France. Bonjour. Merci à tous les trois d'être présents cet après-midi avec nous. J'en profite pour mentionner que vos trois structures sont candidates au Trophée de l'économie responsable 2020 organisé par Réseau Alliance. Pour découvrir les lauréats, ce sera dans la conférence d'ouverture du World Forum juste après notre atelier. Donc n'hésitez pas à assister à cette conférence pour découvrir les structures qui sont primées pour cette édition 2020. Alors on est ensemble là pour une heure et demie environ et on va pouvoir traiter du sujet de la mobilisation des parties prenantes au sein de son entreprise ou de sa structure. Quand une entreprise lance sa feuille de route ou s'engage dans des actions RSE, il est primordial de mobiliser ses équipes mais aussi ses partenaires autour de ses projets. Et c'est souvent un grand défi pour les dirigeants, pour les chefs de projet, pour les responsables RSE. Pourtant, mobiliser, fédérer, impliquer, tout ça, ce sont vraiment des prérequis et des éléments essentiels pour ancrer durablement sa démarche RSE dans l'entreprise et pour en faire un des piliers de la conduite du changement. En plus, une des spécificités de la discipline RSE, c'est qu'elle se doit d'être transversale, de se diffuser de façon globale au sein de l'entreprise. Elle doit être porteuse de sens et elle doit être partagée par tous. Sensibiliser, impliquer et co-construire, ça va donc permettre de donner encore plus d'ampleur, de corps, de sens, comme je l'ai dit, aux actions et d'avoir encore plus d'impact au sein de son entreprise, mais aussi sur son territoire. Donc aujourd'hui, avec Amandine, Gaëlle et Hervé, on va pouvoir voir comment des structures de taille relativement importantes réussissent à mobiliser leurs parties prenantes, à la fois internes mais aussi externes, autour de leur stratégie RSE. Donc on va partager ensemble des retours d'expérience qui sont concrets, des choses que vous vivez au quotidien dans vos entreprises et que vous avez pu mettre en place en fonction de vos enjeux métiers. Vous allez voir qu'il y a plusieurs voies, plusieurs chemins, plusieurs moyens pour réussir à impliquer, à mobiliser ces parties prenantes. Et on espère que ça va vous donner des idées pour vous aussi vous engager au sein de vos entreprises. On va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez chacun présenter votre entreprise, vous présenter vous aussi, et puis nous dire un petit peu comment est née votre démarche RSE et comment elle se déploie aujourd'hui dans les grandes lignes. Qui veut commencer? Bon, je suis à ta droite, alors je commence. Donc bonjour, effectivement, tu m'as présenté. Donc Amandine Bouin, responsable RSE pour les supermarchés Match. Donc les supermarchés Match, c'est un réseau de 114 supermarchés qui sont basés dans le quart nord-est de la France et dont le siège est basé dans les Hauts-de-France, à côté de Lille. Aujourd'hui, le projet d'entreprise a été remodelé il y a 3 ans pour définir un peu la mission de l'entreprise et se dire ce que voulait être l'entreprise pour demain. Et elle a défini que l'ambition, c'était d'être le commerçant préféré d'une alimentation saine et savoureuse pour tous. Et donc, pour décliner cette mission, elle a défini des ambitions et on retrouve dans ces ambitions le fait d'intégrer la RSE dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Et cette ambition qui est écrite et affirmée dans le projet d'entreprise, c'est déjà un premier levier que je trouve fondamental pour pouvoir impliquer les parties prenantes et les mobiliser, que ce soit en interne ou en externe, parce que ça permet vraiment de donner du sens sur la stratégie et l'ambition RSE de l'entreprise. Merci. Gaëlle, peut-être ? Oui, alors Tape à l'œil, nous créons et distribuons des vêtements pour enfants, donc de 0 à 16 ans, à la fois sur le web et dans nos points de vente. On a à peu près 300 points de vente, principalement en France, à peu près 200, et après répartis dans différents pays.
Moi, je suis care leader. Alors, c'est un terme qui est très interne, mais qui a trouvé son sens puisque je pilote la fondation de l'entreprise, je coordonne la RSE et je gère en direct la qualité du travail et la diversité. Donc, à un moment donné, quand on pose tout ça, on se dit qu'il y a un côté prendre soin de ses collaborateurs, de son environnement, de son écosystème, qui est le fil rouge de mon métier, d'où le côté care leader. Voilà. Je vais plus loin sur le sujet de la RSE ou c'est l'objet. Les grandes lignes peut-être de la démarche RSE de Tape à l'œil à ce jour. Alors la prise de conscience RSE, ça fait plusieurs années qu'on parle de ce sujet en interne. Il y a vraiment eu un premier grand pas de franchi il y a 3 ans quand on a fait le diagnostic avec le réseau Alliance qui nous a permis d'embarquer nos collaborateurs sur ce diagnostic et de pouvoir effectivement faire vraiment un scan à 360 du sujet chez nous. Et puis le deuxième grand pas, on a changé de direction générale et notre DG, quand il est arrivé, a posé la RSE comme un enjeu majeur de l'entreprise. Et à ce moment-là, ça a vraiment fait avancer les choses parce qu'au-delà de poser la RSE comme un enjeu majeur, c'est derrière une instance pour la mettre en place, donc un comité de pilotage, un pilote, donc en l'occurrence moi sur ce sujet-là, avec pour mission de fédérer autour de la RSE, de sensibiliser, de communiquer, d'intégrer nos parties prenantes dans notre stratégie RSE. Et notre premier grand job a été d'écrire une vision RSE. Amandine parlait de vision d'entreprise, c'est un job qu'on avait déjà fait auparavant. Et on a écrit la vision RSE de l'entreprise, quelles étaient les ambitions qu'on se fixait et vers lesquelles on voulait aller. D'accord, merci beaucoup. Hervé ? Oui, merci. Donc Hervé Lherbier, moi je suis directeur régional donc d'APA France Handicap, donc qui est une association nationale, une des plus importantes associations de France par sa taille, puisque je pense qu'on est la deuxième association, la première étant la Croix-Rouge, implantée donc sur tout le territoire, et puis une représentation en Hauts-de-France assez forte, puisque on a à peu près une soixantaine d'établissements. Donc, avant d'être une grande association gestionnaire d'établissements sanitaires et médico-sociaux, APF France Handicap est avant tout une association militante. Quand on dit militante, c'est faire en sorte aussi que les droits des personnes en situation de handicap, et plus particulièrement moteurs, soient forts et soient représentés dans notre région. Alors concernant la démarche RSE, je pense qu'on le détaillera après. Donc je suis drôlement content d'être ici parce que je vous le disais l'autre jour, finalement c'est grâce au World Forum et puis à une intervention que l'on a fait en 2013 dans le cadre en fait du World Forum. C'était du côté du nouveau siècle où il y avait une thématique qui était celle de la diversité, et c'est à partir d'un atelier que j'avais co-animé que finalement on s'est dit il y a peut-être un intérêt à regarder en fait de quelle façon est-ce qu'une association peut se transformer également pour être au plus près en fait du territoire, au plus près des besoins des personnes, en lien aussi avec une région qui change, qui évolue, qui se transforme. En l'occurrence c'était la troisième révolution industrielle qui est devenue REV3. Je vous expliquerai après comment on en arrive là. Ça marche, merci beaucoup. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux nos intervenants, n'hésitez pas surtout à bien poser les questions que vous souhaitez via le chat en ligne. On y répondra à la fin de la présentation. On prendra un temps spécifique pour répondre à vos questions aussi. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet et de la façon dont vous agissez au quotidien. Dans vos missions, en tant que responsable, garant, entre guillemets, de la RSE dans vos structures, vous agissez un petit peu comme un chef d'orchestre, vous êtes le premier pilote, mais vous avez sans doute un petit peu d'aide. Est-ce que vous avez des relais, des ambassadeurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Comment ça fonctionne au quotidien dans vos structures? Gaëlle? Okay. Comme je le disais juste avant, on a un comité de pilotage qui est constitué de collaborateurs qui se sont portés volontaires pour en faire partie et qui sont représentatifs des périmètres métiers de l'entreprise. Et ce sont eux, nos ambassadeurs et nos relais. Donc on a les métiers qui sont représentés, certains plus que d'autres, puisque en tant qu'entreprise textile, on a évidemment des gros sujets RSE autour du produit, de l'éco-conception de nos produits textiles. Et donc on a plusieurs personnes de l'offre et de l'achat qui font partie du comité de pilotage, qui sont le relais entre leur périmètre, ce qui se passe en termes d'action RSE dans leur périmètre métier, et le comité de pilotage.
Et chaque membre du comité de pilotage, globalement, a ce rôle de lien entre ce qui se passe dans leur périmètre pour faire le lien avec le comité de pilotage qui est chargé de diffuser, de rendre visible tout ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Je rebondis et ça s'appliquera, cette question bonus s'appliquera aussi à Hervé et à Amandine. Tout le réseau des boutiques, comment est-ce que vous pouvez vous appuyer dessus chez Tape à l'œil? Est-ce que ce sont aussi des relais de terrain importants ou est-ce que ça part plutôt du siège? Comment ça infuse dans l'entreprise? Ils sont également relais et d'autant plus relais qu'ils sont en contact avec nos clientes. Et on travaille beaucoup notamment sur nos produits qui se retrouvent en magasin. Et donc nos équipes de vente sont aussi nos premiers relais qu'on doit informer de ce qui se passe pour qu'ils puissent effectivement faire le lien avec nos clientes. C'est très important. Merci. Hervé ? Oui, peut-être que j'aurais dû dire en introduction que c'est peut-être un petit peu une exception d'avoir une association ici, puisqu'on ne nous attendait pas sur ce champ-là. On ne s'attendait peut-être pas à ce que je puisse présenter notre association dans ce cadre cette année après donc, notre intervention. Ce qu'il faut dire par rapport à la RSE, c'est que finalement, nous, on a toujours été plutôt en appui aux entreprises qui développent une démarche RSE que d'être, on va dire, artisans. Évidemment, quand je parlais du volet gestionnaire de notre établissement, il y a aussi ce qu'on appelle des établissements de travail adaptés ou protégés. Et le lien avec la RSE, il s'est fait quand même il y a une dizaine d'années, même un peu plus, plutôt avec ce type d'établissement où les entreprises venaient nous voir pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire ensemble en termes de co-traitance, de sous-traitance, de production. Et c'était un petit peu par là que le lien est né. Ensuite, on a décidé de faire chaque année au Théâtre Mogador à Paris donc, la nuit de la RSE, parce que c'était plein de pépites. Et puis, au fur et à mesure du déroulement des nuits de la RSE, on s'est dit, mais il y a un certain nombre d'ingrédients qui peuvent aussi nous permettre de contribuer un peu au changement de paradigme dans lequel on est aujourd'hui. Donc, alors pour nous, la RSE, c'est trois choses. On a un petit peu, en termes de pédagogie, repris les trois objectifs, les trois objectifs du développement durable. Et on a essayé de faire en sorte de dire, c'est pas que l'empreinte environnementale, mais c'est aussi en fait sur le pilier social, c'est comment on passe en fait d'une utilité sociale, ça c'était notre raison d'être, mais à une utilité sociétale, comment on entraîne en fait également, on va dire, la ville, la cité, le quartier, parce que force était de constater depuis un certain nombre de décennies, on était plutôt repliés sur nous-mêmes en vase clos en fait, et les liens en fait entre les personnes qu'on accompagne, les professionnels de la cité pouvaient être améliorés. Donc c'est bien ça en fait qu'on allait chercher également, hein, c'est d'avoir une ambition sociétale plus large. Un projet politique tel que le nôtre en fait est résolument tourné vers ce qu'on appelle l'ambition inclusive avec des éléments de désinstitutionnalisation. En France, il y a un vrai débat autour de cela, et la RSE pour nous c'est vraiment le levier pour essayer de contribuer à emmener tout le monde dans une logique de transformation. Et alors tes relais, toi en interne, sur qui tu peux compter? Alors, les relais, on n'a surtout pas voulu que ça vienne, en fait, puisqu'on est une association nationale, hein, et que ce soit des choses qui ne soient dictées, en fait, par le siège. Alors, il y a une démarche aussi nationale, puisque, entre guillemets, de Lille à Marseille ou de Mulhouse à Brest, il faut également qu'on ait à peu près les mêmes. Mais ce que l'on a souhaité, c'était plutôt miser sur la créativité et comment les professionnels, tels qu'ils soient, que ce soit AMP, kiné, ortho ou directeur, puissent s'emparer de cette question. Et comment je peux me l'emparer en la faisant vivre avec les personnes aussi, elles-mêmes. Donc c'est plutôt du tandem, en fait, et il ne faut pas que ce soit imposé. Donc c'est partant du principe qu'on est dans un changement sociétal profond, qu'est-ce que je mets en œuvre, en fait, dans mon établissement avec les personnes pour faire en sorte qu'on fasse beaucoup plus de liens et que l'on fasse société ensemble autrement qu'on ne l'a fait hier. Donc il n'y a pas vraiment chez nous, alors si évidemment c'est les directeurs d'établissement qui doivent le porter, c'est comme une démarche qualité, si un directeur d'établissement ne porte pas, derrière ça reste un peu lettre morte. Donc un directeur donne le là, donne la partition, et ensuite c'est vraiment, c'est à chacun dans l'entreprise s'en empare en fonction de ce qu'il est, l'essentiel étant de répondre à un besoin formulé par les personnes. Et chez Match, Amandine, comment ça se passe ?
Alors, chez Match, contrairement à Tape à l'œil, on n'a pas d'ambassadeur RSE, on va dire, purement identifié. L'objectif, c'est de pouvoir infuser la RSE dans les différents comités existants et de garder, on va dire, la structure managériale existante. Donc on est vraiment sur l'accompagnement, en fait, par exemple, des comités filières sur l'évolution de leurs produits ou l'évolution de leur packaging, où on est sur l'accompagnement aussi des magasins dans le gaspillage alimentaire, et on passe pour ça par le comité qui gère la partie sur la gestion des déchets ou la gestion des produits qu'on jette. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans ces comités déjà existants pour pouvoir l'impulser, et derrière pouvoir l'étendre au réseau via nos directeurs de magasins et via cette structure managériale. Ça n'empêche que le directeur de magasin peut derrière nommer quelqu'un plutôt en charge du sujet s'il le décide et s'il a envie d'avoir un relais en magasin, mais l'idée, c'est que cette responsabilité, finalement, des projets RSE comme des projets commerciaux soient liés, en fait, à la structure managériale existante. Et comment elle est perçue, la RSE, au sein de l'entreprise ? Est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit ? De quelle façon les gens s'impliquent ? Alors, RSE, c'est un bel acronyme très peu usité, ou en tout cas très peu connu. Généralement, on comprend mieux développement durable que RSE, déjà. Et au-delà de RSE et développement durable, derrière, généralement, nos équipes mettent plutôt toute la partie environnementale et la partie accompagnement des associations. On a peu la logique, en fait, il y a vraiment une culture, en fait, de la RSE, où de se dire que un directeur de magasin, quand il manage ses équipes, quand il leur fait confiance, quand il est dans un management, on va dire, positif, ça aussi, ça fait partie de la RSE, que finalement la co-construction, ça fait aussi partie de la RSE, et que ça aussi, ce sont des bases pour nos équipes. Et donc on essaye de les former. Là, on est en train d'intégrer dans la formation de nos directeurs de magasin, justement, le fait de se dire, la notion de RSE doit être comprise et doit être intégrée dans cette formation, et que derrière, on puisse le décliner en opérationnel et en projet opérationnel pour le magasin. Tu peux peut-être nous dire un mot sur le COMEX Y qui est en place chez Match ? Alors là, effectivement, quand on parle de co-construction, il y a aussi comment on fait en sorte que les collaborateurs participent en interne. Et pour faire participer les jeunes, notamment, le comité exécutif de Match a lancé, il y a 3 ans, un COMEX Y. Donc c'est un COMEX de jeunes de moins de 35 ans qui a pour objectif d'accompagner le comité exécutif dans le projet d'entreprise. Donc ce sont des personnes qui ont été identifiées par le COMEX, qui ont été cooptées par le COMEX, donc qui sont représentatifs des différents services de l'entreprise. Et ils se réunissent une fois par mois avant les COMEX pour apporter, échanger sur les sujets, les proposer au comité exécutif de l'entreprise. Et si l'idée ou la proposition est validée, ils ont en charge de piloter ce sujet avec une personne du COMEX qui devient sponsor de cette idée pour pouvoir la développer dans l'entreprise auprès des acteurs internes qui pourront la développer. Tu as un exemple d'une quelque chose qui a été mis en place suite à une initiative du COMEX Y ? Oui, alors ce qu'ils ont pas mal porté, c'est notamment l'application Too Good To Go. Alors c'est vrai qu'elle est connue, mais elle n'était pas développée chez nous, et ça a été un projet, du coup, qu'ils ont proposé au COMEX avec des tests qui ont été faits en magasin, et c'est eux qui ont permis que Too Good To Go soit déployé dans tous nos magasins. Super, merci beaucoup. Gaëlle, la perception de la RSE chez Tape à l'œil en interne ? Assez semblable à ce que disait Amandine, c'est-à-dire que la RSE, c'est un terme qu'on emploie chez nous pour vraiment en parler aux équipes, c'est très souvent réduit à un aspect environnemental, écologique. Parce que
de par notre activité, il y a beaucoup à faire sur le sujet. Et donc, il y a une partie du travail qui est aussi de leur dire que ça ne se réduit pas à ça et que tout ce qu'on fait au niveau humain, au niveau social, aussi dans notre écosystème, c'est aussi de la RSE. Alors, c'est vrai que nativement, on faisait déjà pas mal de choses, donc c'était plutôt normal. Et on travaille beaucoup avec nos équipes pour leur dire que oui, il y a beaucoup de choses sur le côté écologie, environnemental, produit, mais que la RSE, ça s'arrête pas à ça. Mais ensuite, nos équipes magasins, qui sont nos équipes les plus nombreuses par rapport au siège, ce qu'elles voient, c'est leur quotidien, la relation avec les clients, et tous les jours, elles parlent de produits, elles gèrent des cartons, et donc c'est ce qu'elles voient et qui, pour ces équipes-là, parlent le plus. Hervé ? J'ai envie de vous dire que, évidemment, il y a 7 ou 8 ans, c'était un peu un ovni. Et pour vous dire à tel point, l'acronyme RSE, on l'avait manipulé avec beaucoup de précautions. Et avant même de se dire on se lance une démarche RSE, on avait remplacé le E par le O. Une démarche, en fait, de responsabilité sociale des organisations. Et puis finalement, on s'est dit, mais non, en fait, finalement, on est d'une économie un peu différente de la vôtre, puisque nous, on appartient en fait à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et dans l'ESS, on a l'habitude de dire qu'une entreprise comme la nôtre n'est pas... qu'une entreprise n'est pas comme les autres, mais comme les autres, c'est une entreprise. Donc... Et si on veut derrière, comme je le disais aussi, porter un mouvement et un souffle en fait de nouveau d'ouverture, il faut aussi que l'on puisse dire qu'on fonctionne comme un peu comme tout à chacun, avec aussi évidemment, on sait que sur la partie gestionnaire, nous sommes principalement financés par la puissance publique, donc c'est ce qui va différencier. Et puis ensuite, au niveau des statuts, bien évidemment, nous sommes du champ du privé non lucratif. Donc ça, c'est directement lié en fait à l'économie sociale. Mais pour répondre à votre question, non. Enfin, finalement, et je pense que 6 ou 7 années après, on se demande encore, mais pourquoi en fait? Pourquoi on a souhaité en fait investir en une telle démarche? Alors, je reviens en fait aux 3 piliers qu'on nommait en introduction, et vous dire que nous, ce qui nous a semblé en fait très très pertinent ici sur les Hauts-de-France et le lien avec 3e révolution industrielle et REV3, alors c'était pas forcément les bâtiments producteurs d'énergie, c'était plutôt le numérique qui nous intéressait, puisqu'on sait que les avancées en fait du numérique, du digital, sont vraiment des outils aujourd'hui au service de la compensation des personnes qui sont en perte d'autonomie, tout comme également le numérique nous permet quand même aujourd'hui de sacrées avancées dans le cadre de la réalisation de projets professionnels de jeunes qui sont peut-être qui sont en fauteuil et qui se destinaient pas à l'ère des métiers qui s'ouvrent aujourd'hui avec des possibilités multiples. Donc c'est bien 2 champs qui nous intéressaient vraiment, c'est comment le numérique est un nouvel outil de compensation en fait du handicap, comment il permet aussi de lutter contre l'isolement, et comment en fait aujourd'hui il promet des ambitions nouvelles en fait pour des jeunes qui sortent des établissements qui hier n'avaient peut-être pas forcément d'ambition professionnelle en tant que telle, mais qui là revoient en fait des projets assez formidables, je dirais. Ouais, donc plutôt une opportunité sur certains aspects. Est-ce que dans vos structures, on peut voir des initiatives naître du terrain, des collaborateurs, remonter, être mises en place, voire être dupliquées, alors soit en magasin, en boutique ou sur différents sites? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vues? Et si oui, quels moyens sont donnés aux collaborateurs pour agir, moyens financiers j'entends, mais aussi moyens sur du temps libéré, sur des process pour faire remonter les idées par exemple. Est-ce que vous avez des exemples ou des choses à nous partager sur ce point? Alors, si on regarde un peu les 3 piliers, donc sur l'aspect environnemental, ce qui est chez nous en fait dupliqué, c'est ce qui touche de près à la restauration, puisqu'on a profité de la démarche RSE pour rebalayer les contrats que l'on avait avec des fournisseurs. Donc aujourd'hui, c'est bien sûr en fait les circuits courts, alors que ce n'était pas forcément vrai hier. Donc ça a été la grande nouveauté. Et derrière, c'est le gaspillage alimentaire, donc notamment pour les établissements qui ont forcément une restauration. Donc ça, c'est facilement duplicable, je dirais. Et en fait, il y a un écho immédiat en fait là-dessus.
Ensuite, bien sûr, c'est la réflexion sur les transports, puisque au plus on va vers une forme de désinstitutionnalisation, au plus les professionnels vont allonger en fait des temps de parcours. Ce n'était pas forcément le cas hier. Donc ça nous a incité aussi à repenser un peu les mobilités. Et puis on sait très bien également que nous, on pense en fait les mobilités pour les personnes ayant le plus de difficultés. Et donc on se dit également que dans une société qui vieillit, prendre en considération ce qu'on appelle la qualité d'usage, donc les personnes qui ont plus de difficultés, est forcément bon pour l'ensemble d'une société. Vous voyez, c'est aussi en fait une façon d'ouvrir en fait les choses plus largement. Ensuite, sur l'aspect patrimonial, là, et évidemment aujourd'hui, il faut quand même savoir que dans notre secteur, donc un certain nombre de bâtiments sont dits vieillissants, puisqu'on a eu des heures de gloire dans les années 70-80, et qu'un certain nombre en fait, de bâtiments aujourd'hui ne correspondent plus en fait, aux usages, et puis, comme on dit, pour reprendre une terminologie très contemporaine, sont de véritables passoires thermiques. Donc, comment on repense en fait, les bâtiments en fait, aujourd'hui, l'art d'habiter dans la ville, non plus sous une forme, entre guillemets, qui n'est pas très jolie, qu'on peut appeler de ghettoisation, mais plutôt dans le diffus. Et là, c'est aussi en fait une relation nouvelle que l'on développe avec les bailleurs. Donc ça, c'est vraiment des choses en fait d'un bailleur à l'autre qui sont que l'on peut reproduire assez facilement parce que c'est des success stories et une bonne idée en fait derrière peut infuser très vite. Merci Gaëlle ou Amandine. Oui, alors on ne demande pas mieux que d'avoir des initiatives de la part de nos collaborateurs ou des idées à mettre en place. Et en fait, il y a souvent deux sortes d'idées, soit des idées qui vraiment vont impacter fortement et durablement un métier où c'est une direction à prendre, et auquel cas ça intègre une feuille de route métier. Avec tout ce qu'on suppose d'investissement financier ou humain à la clé. Et ensuite, il y a tout ce qui va être initiative ou idée locale qu'un collaborateur est en capacité de mettre en œuvre. C'est des choses toutes simples ou toutes bêtes où certains magasins ont fait des remises en banque et ils avaient des pochettes plastiques jetables. Et un certain nombre de magasins ont dit mais c'est bête et ont créé des pochettes en tissu lavables et du coup utilisent ça à la place. Donc ça, elles ont toute l'attitude pour bien sûr faire ce type d'initiative. Et puis, comme on souhaite vraiment favoriser ça, donc du coup, j'anticipe parce qu'on n'a pas encore lancé, mais on va lancer des trophées en interne sur les initiatives et les idées RSE à mettre en place. On est en train de travailler sur le cadrage pour qu'effectivement tout le monde puisse participer et favoriser l'émergence de ces idées parce qu'on est convaincu qu'en fait, il y a plein d'idées et qu'on les voilà, il faut trouver un moyen de pouvoir les récolter et de les mettre en place. Super idée. Je l'apprendre. Non mais c'est vrai, c'est des moyens vraiment qui permettent en effet à la fois de valoriser, de mobiliser et qui sont vraiment appréciés aussi en interne. Gaëlle, vous êtes chez Tape à l'œil très active sur les réseaux sociaux aussi, sur toutes les initiatives magasins, etc. Et ça permet aussi de mettre en avant voilà, tout ce qui est fait sur le terrain et de donner des idées aussi aux uns et aux autres. Et ça c'est aussi assez chouette. Assez chouette. Amandine, je te laisse... Oui, alors effectivement, nous, c'est pour les magasins aussi, on est aussi très preneurs d'actions qui pourraient tester et qu'on pourrait dupliquer. La dernière en date, c'est pour éviter de gaspiller, c'est de tenter de vendre notamment des produits qui sont à DDM dépassés, qui sont des produits où logiquement qu'on essaye de donner au maximum, mais dont on n'arrive pas toujours à donner, et de se dire bon, est-ce qu'on peut pas tenter de les proposer à nos clients avec des prix vraiment dérisoires, mais qui puissent quand même être vendus et non pas jetés. Et donc ça, effectivement, comme le disait Gaëlle, l'idée c'est de partir de ce test et à partir de ce test de le déployer sur quelques magasins pour avoir un retour et potentiellement de le déployer. Ça peut être aussi des actions solidaires, je pense notamment aux bornes de collecte de livres avec la bouquinerie du Sarre qui a commencé sur un magasin ou deux, nos deux magasins de Villeneuve-d'Ascq, et aujourd'hui on a 15 magasins qui collectent ces livres pour la bouquinerie du Sarre. Donc ça peut être ces actions-là. Et justement, pour les identifier, on a lancé en juin une boîte à idées, on appelle ça la fabrique, qui permet de récupérer toutes les bonnes pratiques ou les idées ou les innovations que les magasins aimeraient lancer. Mais comme on ne leur donne pas le temps et parce qu'on n'a pas forcément de temps supplémentaire, c'est de pouvoir leur proposer, qu'ils puissent proposer au siège ces idées et qu'ils puissent, parmi ces idées, être mises en place et testées dans des magasins.
Merci beaucoup. Du coup, on voit bien que tous, vous ne travaillez pas tout seul dans votre coin avec votre seul prisme. Vous mobilisez les collaborateurs en interne, mais vous mobilisez aussi d'autres parties prenantes dans vos activités. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous ouvrir et collaborer, co-construire avec des parties prenantes externes? Et est-ce que vous avez des exemples à nous partager de choses qui ont été mises en place ou des projets qui sont en cours avec des parties prenantes externes? Oui, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que d'origine, on fonctionnait plutôt en mode co-construction, en disant on est plus fort quand on le fait à plusieurs plutôt qu'avec un seul prisme. Et sur la stratégie RSE, ça a été à l'identique, notamment sur la partie offre et achat, où on avait effectivement vraiment une feuille de route importante à construire. Et on se dit, soit on le construit tout seul dans notre coin et on va voir nos fournisseurs en disant c'est comme ça que ça doit se passer. Mais comme on est plutôt dans une logique de partenariat avec nos fournisseurs, on s'est dit, mais construisons cette feuille de route ensemble. On montera tous en compétence en même temps sur le sujet. Et donc c'est ce qu'on a appelé chez nous le Supplier Lab. Il y a 2 ans maintenant, une grosse partie, si ce n'est tous nos fournisseurs, des pays éloignés, sont venus donc sur le siège et ont passé plusieurs jours à travailler avec nos équipes en local sur comment transformer notre façon de travailler pour être plus responsable, plus durable, plus transparent sur la fabrication de nos produits. Et donc ça, c'était un gros moment il y a 2 ans, et là de nouveau, donc là sur le mois fin octobre, le Supplier Lab se réunit de nouveau pour faire le point sur où est-ce qu'ils en sont, les prochaines avancées, etc. Donc ça sera de façon différente étant donné le contexte, mais toujours est-il que ça se poursuit, on continue à travailler avec eux. Amandine. Oui, sur les parties prenantes, c'est vrai qu'on a les parties prenantes internes, les parties prenantes externes. Sur l'externe, il y a le travail qui est fait auprès des fournisseurs pour identifier les produits, faire évoluer le produit vers un packaging plus responsable, vers aussi une origine des produits plus locale ou plus durable. Donc il y a tout ce travail-là qui est fait par nos acheteurs. Et il y a aussi auprès de notre partie prenante finalement, fondamentale qui sont nos clients et comment on peut embarquer aussi nos clients dans la stratégie de l'entreprise, parce qu'on sent bien aujourd'hui qu'il y a une mutation de la société qui est fondamentale et qui est que l'entreprise doit s'approprier pour pouvoir évoluer dans ce sens-là, et elle ne pourra pas le faire sans ses clients parce qu'elle a besoin d'eux déjà pour... C'est leur mode de consommation qui va faire en sorte que l'entreprise change, mais c'est aussi pour que dans la stratégie de long terme, ils puissent aussi être impliqués et puis qu'ils puissent nous dire dans quelle mesure ils estiment qu'on est vraiment une entreprise engagée ou quelles sont les actions prioritaires pour eux à mener pour qu'on puisse à la fois les inclure dans nos projets, qu'on puisse leur expliquer aussi où on va et qu'on puisse ne pas les perdre en route quand on lance des nouveaux projets ou quand on fait des choix stratégiques. Est-ce que peut-être tu peux nous parler du lien avec les producteurs locaux, par exemple, que vous entretenez chez Match? Oui, et ça, c'est vrai que... Alors ça me fait penser effectivement aux clients. C'est vrai que les clients, on les a intégrés dans notre logique de consultation, mais aussi dans notre logique d'action. Donc là, typiquement sur les producteurs locaux, aujourd'hui, Match s'attache à avoir des producteurs locaux qui sont situés à moins de 100 km de tous ces magasins pour faire vraiment vivre l'économie locale autour de ces magasins. Et pour pouvoir faire avancer cette démarche, on a sollicité nos clients pour faire en sorte qu'ils puissent contribuer au référencement de ces producteurs locaux avec nos acheteurs. Donc on leur a proposé à nos clients de dire via le site internet de l'enseigne ou directement au directeur du magasin dans lequel ils vont régulièrement faire leurs courses. Je connais un producteur local qui peut-être serait intéressé, qui n'est pas très loin du magasin. Vous pouvez peut-être le référencer. Alors bien sûr, après, il y a une étude achat à mener. Mais l'idée, c'est de vraiment rendre le client... au-delà de la consultation, de le rendre vraiment acteur aussi des choix et du positionnement de l'entreprise. Tout ce qu'on fait, c'est pour nos clients. Donc, je pense que c'est hyper important de les inclure dans les démarches parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, qu'ils sont écoutés et qu'on essaie au mieux de répondre à leurs attentes. Oui, c'est une partie prenante très importante, surtout pour vous deux entreprises. Hervé, sur cette question pour APF?
Enfin, vous l'avez compris, l'ouverture sur l'extérieur, c'est l'ADN de cette démarche RSE. C'est bien là-dessus que l'on s'appuie, sinon autant rester comme nous étions il y a 20 ou 30 ans. Donc le fait de mailler des partenariats avec toutes les parties externes, oui, c'est vraiment l'essence même. Juste, alors, deux exemples. Hein, on raisonne, tout à l'heure, je vous parlais un peu du cadre bâti et de toutes les réflexions sur le cadre bâti. De plus en plus, aujourd'hui, on réfléchit à transformer aussi le cadre bâti. Alors là où on peut transformer, donc bien sûr, en fait, en ayant aussi en tête toutes les rénovations énergétiques qui vont de pair, mais c'est également, en fait, je reviens sur cette qualité d'usage et d'ouverture. Donc c'est, certains établissements sont devenus des tiers-lieux parce que finalement, ils s'ouvrent, des établissements s'ouvrent en fait à la société, ne sont plus en fait, comme je le disais, des établissements en fait repliés sur eux-mêmes. Et donc, lorsqu'on parle de tiers-lieu, on parle derrière de communauté. Donc, ça signifie que, faire vivre une communauté, c'est, ça peut être parfois l'association des riverains, c'est l'association de quartier, c'est le centre culturel en fait du coin à Villeneuve-d'Ascq. Un établissement est devenu partiellement une résidence artiste. Donc ça, c'est des choses en fait nouvelles et qui tout à l'heure, en fait, ta question, c'était de dire, mais les parties prenantes, et là, il a fallu que un ou deux, en fait, travailleurs sociaux ou éducatifs, en fait, s'ouvrent en disant, mais on peut imaginer ça. C'était impensable il y a 10 ou 15 ans. Donc évidemment, pour répondre à ta question, oui, toutes les parties prenantes, sinon il n'y a pas lieu de s'engager sur une démarche RSE. Restons comme on est. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, peut-être vous, en tant que responsable RSE, directeur régional, un projet vraiment de co-construction, de collaboration qui vous a marqué et qui a fait évoluer les choses dans vos structures, ou qui a eu un impact important, ou simplement duquel les collaborateurs ont été très fiers, ou... Oui, nous, on en a un qui est emblématique, puisque cette démarche a permis, il y a 3 ans, de créer sur l'ex-bassin minier une activité, enfin, une école de pilotage de drones. Partant du principe qu'un certain nombre de jeunes avaient une forme de dextérité en fait, pour la conduite d'un fauteuil, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on peut transposer en lien avec un peu... l'utilité sociale et puis le côté numérique dont je parlais tout à l'heure. Et donc on a créé en fait cette école. Alors c'est pas une école qui sort, on va dire, 50 diplômés par an, mais il y en a peut-être 3 ou 4. Et pour rebondir sur ta question également avec le partenariat, je les vois cités, c'est notamment en fait Enedis qui nous a permis aussi de structurer l'idée en disant derrière, mais finalement, peut-être que des jeunes peuvent faire de la surveillance de lignes électriques. Ça se faisait par hélicoptère. Donc, on peut imaginer, en fait, un jeune inclus dans une équipe. Et ça, c'est une vraie réussite. Et que je le disais tout à l'heure, c'est évidemment, en fait, une ouverture sur des nouveaux métiers qu'on n'aurait jamais pensé, en fait, auparavant. Si Enedis n'était pas, en fait, à nos côtés, je ne pense pas qu'on ait... Voilà, aujourd'hui, on n'est plus la sortir de terre. Donc là, c'est vraiment en fait un exemple très concret de ce que l'on peut faire ensemble dans un écosystème et des parties qui, si je prends l'exemple d'Enedis, il y a quelque temps, c'était plutôt dans le cas de la RSE d'Enedis, en fait, qu'on intervenait en sous-traitance pour réaliser des stands ou de la signalétique. Mais là, on construit en fait un projet d'avenir avec des jeunes qui ont forcément d'autres visions aussi de leur avenir professionnel et une entreprise qui s'engage aussi à nos côtés. Mais là, c'est vraiment, la RSE, c'est pas qu'une simple convention de partenariat. On va au-delà puisqu'on construit vraiment, on va dire, un gage sur l'avenir. Merci. Gaëlle ? Donc, une action dont les collaborateurs sont particulièrement... Tes collaborateurs sont fiers, ou toi, qui t'as marqué, ou qui a eu des répercussions significatives, vraiment quelque chose dont tu as envie de nous parler. Il y a beaucoup de choses, mais sur un volet social de la RSE, généralement, nos collaborateurs sont extrêmement
fiers quand ils peuvent participer à des actions sociales, donc dans le cadre de la fondation. Et ça, c'est souvent quelque chose qui revient quand ils font une action en fondation, ils ont participé. C'est cette fierté qu'ils ressentent à se sentir une utilité sociale en dehors de leur métier. Et quelle que soit l'action, quel que soit le collaborateur, c'est quelque chose qui généralement nous marque et qui fait dire que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de poursuivre, de continuer à impliquer nos collaborateurs dans tout ce que peut faire la Fondation. Un exemple d'une action menée par la Fondation ? Oui. Ton préféré ? Et j'en ai plein, je pilote la Fondation, donc je trouve tout ce qu'on fait formidable. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec nos collaborateurs ? Alors, une action, parce qu'elle emmène pas mal de collaborateurs et sur le réseau aussi, c'est pas toujours facile de trouver des actions où on peut embarquer beaucoup de monde. En fait, on met en place depuis plusieurs années maintenant une action qu'on appelle les vêtements du cœur, parce qu'on le fait en partenariat avec les Restos du cœur. Et sur une journée, on crée des magasins éphémères dans des centres Restos du cœur où on vient, nos équipes viennent avec les collections de l'année dernière. Donc, ce sont des vêtements neufs qui sont des invendus. Qui sont globalement mis en vente pour les bénéficiaires des Restos du cœur avec des points. Donc un vêtement vaut des points et les mamans, parce que ce sont très souvent les mamans bénéficiaires des Restos du cœur qui viennent, ont un nombre de points à dépenser par enfant. Et c'est une action qui est vraiment plébiscitée à la fois par les Restos du cœur, par nos collaborateurs, parce qu'il y a un côté contact avec les gens, il y a un contact avec les enfants, il y a un côté responsabilisant et respect de la personne qui vient en tant que bénéficiaire. Et c'est une action qu'on fait depuis plusieurs années maintenant et qu'on va essayer de faire, qui avait lieu en avril, qui est reportée en novembre, et on croise les doigts pour qu'elle ait lieu, parce que c'est quelque chose que vraiment nos collaborateurs adorent faire et sur lesquels on a vraiment beaucoup de fierté. Merci beaucoup, Amandine. Alors, si je devais parler d'une action, alors on reste toujours dans le local, mais c'est vrai que aujourd'hui nos acheteurs sont habitués à acheter auprès de fournisseurs locaux, mais on n'avait pas exploré le côté inclusif de l'achat et de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des achats de produits alimentaires auprès de structures du secteur adapté protégé ? Et donc on a travaillé avec le GESAT, qui est un réseau qui référence les différents GESAT, pour identifier ces différentes structures qui pourraient accompagner. Et en fait, c'est une assez grande fierté de voir des acheteurs qui connaissent pas ce milieu du tout du secteur adapté protégé, de se rencontrer et de voir. Alors, ils ne parlent pas tout à fait le même langage, donc c'est comment on adapte et comment on essaye de parler le même langage. Et le GESAT nous aide pour ça, pour que voilà, on ait vraiment ce lien qui se crée entre finalement une structure qu'on n'identifie pas d'habitude, ou en tout cas auquel on ne pense pas instinctivement, et qui potentiellement peut devenir un acteur fort de l'entreprise. Merci beaucoup. Si vous aviez en face de vous une autre entreprise qui a un peu de mal à peut-être mobiliser ses collaborateurs, ses parties prenantes pour un projet spécifique ou même simplement au quotidien, est-ce que vous auriez un conseil à donner, une petite astuce, donner de nouveaux secrets? Alors, je dirais que la première chose, c'est de bien identifier ce qu'on attend en fait de cette partie prenante, pour que quand elle s'implique, elle a un vrai pouvoir en fait de décision ou d'action sur ce à quoi elle contribue. Et c'est aussi d'avoir la manière adaptée en fait de la contacter, parce que typiquement on a revu nos valeurs et on a demandé à nos collaborateurs de revoir les valeurs de l'entreprise et donc de donner leur avis sur ces valeurs. Et on sait très bien qu'en magasin on n'a pas
les collaborateurs vont très peu sur leurs ordinateurs. Donc il fallait qu'on trouve un moyen assez simple pour les solliciter, pour leur demander leur avis et qu'ils puissent aussi être force de proposition sur les valeurs qu'ils voulaient porter dans l'entreprise. Et donc on a fait juste, alors c'était un A3 sur lequel ils venaient cocher et écrire ce qu'ils voulaient et tout était remonté de manière a été condensé. Mais du coup, c'est dans la mobilisation de la partie prenante, il y a vraiment aussi comment je la touche et comment je suis sûre qu'elle va pouvoir y répondre en fait, et que ça va lui correspondre. Et la dernière chose, je pense, c'est aussi de faire des retours. En fait. C'est qu'une fois qu'on l'a mobilisé, qu'on lui a demandé son avis, qu'on puisse lui dire, eh ben, ton avis a été pris en compte et voilà ce que ça a donné au final et voilà ce que le projet a été mené ou pas, mais d'expliquer aussi pourquoi parfois on ne peut pas le faire, mais au moins que de donner un retour. Je pense que ce que tu pointes du doigt, Amandine, c'est vraiment le côté communication et donner de la visibilité. Parce que chacun dans son périmètre a l'impression de faire beaucoup de choses et de faire avancer. Mais celui, on a le même fonctionnement avec un siège et des magasins. Si on ne donne pas de la visibilité, si on n'explique pas, on ne donne pas de sens, finalement, les équipes ne savent pas forcément toujours ce qui se passe. Donc vraiment, je pense que c'est le côté effectivement impliqué, donner du retour quand on a... quand on a eu du répondant, mais surtout donner de la visibilité sur ce qui se passe, où est-ce qu'on en est des projets, on avait dit ça, où est-ce qu'on en est, si on n'en est pas au point attendu, ben pourquoi. Mais c'est vraiment ce côté communication, et on a le même sujet qui est comment on communique jusque dans les équipes magasins. Alors nous, on a la chance d'avoir mis en place un réseau social interne, où tout le monde a accès, ça facilite un tout petit peu, c'est pas miracle, mais ça facilite quand même un peu les choses, pour que chacun dans l'entreprise, quel que soit son métier, puisse être informé de ce qui se passe, et puisse aussi être impliqué, pouvoir prendre la parole, donner ses idées, et demander tout simplement à avoir de la visibilité. Hervé ? Je vais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire qui nous semble intéressant dans une démarche telle que la nôtre, c'est redonner du sens. Alors évidemment, nous on est une association brille par ses valeurs et parfois dans les temps compliqués que l'on a traversé, qu'on traverse en fait aujourd'hui, redonner du sens en fait à l'action, c'est porteur. Donc comment je redonne en fait du sens à une action. Et puis deuxièmement, un autre enseignement, tu disais tout à l'heure, si quelqu'un voulait, c'est de se dire, je pense que pour nous, un projet RSE ne doit pas être une usine à gaz, c'est un besoin, c'est, parfois ça peut être des micro-projets. Et surtout pas en fait un projet avec 36 000 process, mais quelque chose qui contribue à faciliter la vie du quotidien en fait de la personne. Parfois c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et faire en sorte aussi que on se retrouve sur un tandem usager résident en fait professionnel avec du gagnant-gagnant et avoir l'impression d'avoir changé le monde par une petite réalisation en fait commune qui est porteuse de sens aussi aujourd'hui dans un monde qui change. Moi j'avais envie de dire qu'on était peut-être un peu absent du monde qui changeait ces dernières années, et là avec cette démarche c'est revenir en fait au premier plan et puis se dire que voilà, quelles que soient les difficultés qu'on peut avoir en fait, on est capable de contribuer en fait à ce changement sociétal. Et ça c'était moins vrai hier et je pense que ça le sera de plus en plus. Sens, bon sens, simplicité, communication, ça fait partie de la recette a priori pour réussir à mobiliser. Co-construction également, on en a pas mal parlé cet après-midi. Je vous remercie, je vais prendre une petite question sur le chat. Alors on s'éloigne un petit peu du sujet de la mobilisation des parties prenantes, mais c'est pas grave, on est aussi là pour découvrir les démarches RSE de vos entreprises, donc je vais la poser. Donc la personne nous dit, j'imagine que vous avez déjà réalisé un premier diagnostic, est-ce que vous êtes fait accompagner, est-ce que votre feuille de route balaye l'ensemble des actions identifiées ou avez-vous priorisé les actions, si oui, sur quelle base? Comment on fait pour construire sa feuille de route et prioriser les actions? C'est quoi les enjeux prioritaires de vos entreprises aujourd'hui? Comment vous avancez sur ces sujets? Premier, Hervé.
comment on avance sur ces dossiers. En fait, on n'a pas, et c'est peut-être la difficulté que l'on a aujourd'hui d'emblée. Donc, on avait plutôt fait place au sens et à la créativité. Et quand on place la créativité devant, on n'a pas forcément tout de suite les indicateurs ou l'évaluation. C'est peut-être un peu le reproche qu'on nous fait aujourd'hui de dire il y a plein de choses qui se font, mais finalement, il n'y a pas un process d'évaluation. Donc ça, c'est un peu le reproche voilà, qu'on peut nous faire. Et puis, certainement, le point d'amélioration. Et l'idée que l'on a, c'est de maintenant que la démarche, je ne vais pas dire qu'elle est mûre, mais qu'elle est plutôt bien lancée, c'est peut-être de se faire accompagner par un cabinet en fait qui aujourd'hui accompagne des entreprises et pas forcément des entreprises de l'économie sociale et solidaire, on va dire à l'impact, hein, l'impact de la RSE en fait sur une organisation. Gaëlle. Oui, c'est vrai que le champ de la RSE est tellement large que, je l'ai dit en présentation, on s'était fait accompagner par le réseau Alliance pour un diagnostic. Et la mérite du diagnostic, c'est de poser, à un moment de scanner en fait vraiment l'entreprise, et de poser quels sont les champs d'action sur lesquels on est plutôt déjà bien avancé, et quels sont les champs d'action sur lesquels on peut avoir du retard. Et du coup, ça, quand même, ça dessine déjà une première trame qui est, c'est pas que sur ce point-là tout est fait, mais vous êtes déjà plutôt bien avancé, donc en termes de priorité, faut peut-être accentuer sur tel ou tel point. Donc ça nous avait bien aidé. Et puis ensuite, je pense que le cœur de l'activité même d'une entreprise dessine aussi ses priorités. Je l'ai dit, et je pense à plusieurs reprises, on avait un gros travail à faire sur le produit en lui-même, transparence, traçabilité, production, etc., matière. Et donc la priorité, elle a été mise sur ces points-là qui sont très, très lourds, très importants à mettre en place. Et on est très content quand on voit le résultat, parce qu'on n'est pas au bout de chemin, mais la route, elle est quand même bien avancée. Donc on voit aussi, pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure sur l'implication, c'est que quand les gens s'impliquent, se sentent impliqués sur un sujet, ça transforme quand même les choses assez rapidement. Oui, je rejoins Gaëlle sur le fait que l'activité cœur de l'entreprise, c'est là où il y a finalement le plus d'enjeux. Donc pour nous, sur l'approvisionnement de nos produits alimentaires et sur ce qu'on propose à nos clients, ce qu'il y a aussi dans la distribution alimentaire et qui est lié, c'est aussi le gaspillage alimentaire, où là, vraiment, il y a une priorité à faire qu'il faut que de moins en moins on jette de l'alimentaire, enfin, déjà qu'on arrête de produire pour jeter de manière générale, mais encore plus dans l'alimentaire, où on sait qu'il y a un besoin fort. Donc c'est plutôt ces sujets-là qui sont avancés. L'idée demain, c'est un travail qui effectivement qu'on doit aussi mener, c'est de se dire on a les piliers fondamentaux sur lesquels il faut qu'on avance. Maintenant, ça n'empêche pas de mettre parfois des objectifs sur d'autres sujets qu'on peut estimer peut-être un peu plus mineurs par rapport à l'activité de l'entreprise, mais qui restent importants. Et il faut qu'on définisse ces ambitions à 5 ans pour pouvoir se dire, et qu'on les suive aussi, même si effectivement ça ne fait pas partie des grands axes de la RSE, des piliers de la RSE. Merci beaucoup. Je prends une autre question. Avez-vous entrepris la démarche de rédiger et de co-signer des chartes avec vos collaborateurs et fournisseurs dans votre stratégie RSE pour les engager autour d'une charte qui serait un outil de dialogue en fait pour se baser sur des mêmes principes, des mêmes valeurs? C'est des choses que vous avez fait, auxquelles vous avez pensé? En interne, non, on n'a pas fait de charte avec nos collaborateurs. À partir du moment où ils ont été impliqués dans la démarche de construction RSE, il y avait un côté naturel dans le fonctionnement avec nos collaborateurs. Par contre, en externe, avec nos partenaires, oui, de plus en plus. Alors, nos fournisseurs, ça, c'était déjà le cas même avant la RSE, avec un certain nombre de clauses éthiques qui faisaient partie de nos contrats, et puis, mais qui se sont enrichies ces dernières années avec l'évolution des modes de production, etc. Et je pense qu'on a aussi envie d'aller plus loin de façon générale en disant qu'on a des fournisseurs, des prestataires, mais dans tous les domaines, et que c'est important pour nous, dans la relation qu'on a avec ces partenaires-là, de voir quelle est aussi leur démarche RSE, de quelle façon on peut les impliquer dans la nôtre et on peut s'impliquer dans la leur, dans vraiment cette démarche de partenariat.
idem sur les fournisseurs. Effectivement, on a des chartes éthiques pour tous les achats que l'on peut faire pour au moins partager les fondamentaux sur la partie achat. Sur la partie interne, on a un code de bonne conduite, mais je pense comme beaucoup d'entreprises, qui est le code de bonne conduite qui est donné aux collaborateurs quand il arrive dans l'entreprise et qui reprend notamment dans son premier article le fait que l'entreprise s'engage à être RSE ou en tout cas à s'attaquer, à répondre à un développement durable. Alors, donc sur les contrats cadres nationaux, oui, puisque ça fait l'objet d'une renégociation qui prenait en compte ces éléments. Les contrats locaux, non, en fait, et ça doit être aussi un des chantiers, en fait, un des chantiers à venir. Ensuite, en ce qui concerne les professionnels. Alors bien évidemment non, enfin on n'a pas de, il y a pas un additif ou il y a pas en fait un avenant au contrat de travail, sauf que aujourd'hui lorsqu'il y a un recrutement, donc dans la fiche de poste, il y a en fait un axe RSE et les candidats qui postulent en fait chez nous, derrière on leur demandera en fait quelle est leur perception, l'adéquation de l'offre de service avec des engagements RSE. Mais on ne l'a pas contractualisé. Sinon, ça n'a pas de sens, puisqu'on souhaite que ce soit en fait porté de façon non contractuelle. Oui, c'est ça. En général, ça revêt la forme d'une charte ou d'un vraiment un outil, voilà, de dialogue et de partage avec ces parties prenantes. Je prends encore une question. Alors, avez-vous des difficultés à mobiliser des parties prenantes qui, a priori, sont très éloignées de vos secteurs d'activité ? Par exemple, la biodiversité, qui est souvent laissée un peu de côté par la RSE, enfin, pour la biodiversité, pardon, serait-il possible de s'appuyer sur des parties prenantes très éloignées de votre cœur d'activité ? Comment vous faites le lien, si je reformule la question, entre votre cœur d'activité et d'autres aspects environnementaux, sociaux, sociétaux qui peuvent paraître éloignés. Est-ce que c'est facile de pouvoir reboucler là-dessus ? Après, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que si on s'attaque à ces enjeux métiers qui sont les enjeux les plus impactants et les plus forts de l'entreprise, c'est vrai qu'on a forcément du coup un lien avec le cœur de métier. Est-ce que vous rebouclez avec d'autres secteurs comme ça qui paraissent éloignés au départ, mais sur lesquels vous agissez aujourd'hui ? Peut-être pas forcément. Alors je tente une réponse. Je dirais que quand c'est fortement éloigné, c'est que on est plutôt dans une logique de mécénat dans ce cadre-là, ou dans une logique plus globale où on fait intervenir des parties prenantes sur des projets, enfin, ou des sujets un peu différents, mais parce que par le biais du mécénat, typiquement chez Match, par exemple, la recherche médicale, c'est très éloigné de la distribution alimentaire. Et pourtant, via le biais du mécénat, on collecte des fonds pour des associations à des fins de recherche médicale. Je dirais plutôt dans ce cadre-là, oui, on s'éloigne du cœur d'activité de l'entreprise, et pourtant on y contribue. Je ferai à peu près la même réponse, c'est-à-dire que de par notre fondation, on touche en fait à tout un environnement qui est éloigné du cœur du métier de l'entreprise. Et donc ça nous permet d'avoir du lien par exemple avec des secteurs éloignés. Après, sur d'autres secteurs comme la biodiversité, je pense qu'effectivement pour l'instant ça fait pas partie des priorités en haut de liste. Ça fait partie des sujets à traiter. Il faut qu'on ait à un moment donné une cohérence ou une opportunité de prendre le sujet d'une manière qui fait sens dans la stratégie RSE de l'entreprise. Alors moi j'ai pas une réponse comme ça à la question, mais par contre, ce que j'étais en train, en écoutant la question, ce que j'étais en train de me dire, c'est que paradoxalement, on a une difficulté, nous, c'est de faire en sorte que les financeurs, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, un certain nombre d'établissements sont financés par la puissance publique, c'est le manque de reconnaissance en fait du financeur sur cette action RSE, porteuse de sens et porteuse aussi d'une volonté, comme je le disais,
de recherche d'une utilité sociale bien plus grande qu'elle n'est actuellement. Et ça, c'est un peu une petite frustration, mais on y travaille en fait actuellement. Alors qu'on aurait pu penser que c'était plutôt logique que ça vienne en fait du financeur. Et là, ça vient plutôt... Alors, c'est comme la démarche RSE, ça vient de la base et ça montera. Mais c'est encore compliqué. D'autres, est-ce que vous aussi, chez Match ou Tape à l'œil, vous avez des difficultés aussi un petit peu de ce niveau-là? Qu'est-ce qui, au quotidien, continue un petit peu de vous poser problème pour mener à bien des projets, co-construire des choses, impliquer des parties prenantes? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous posent encore problème et ou qui vous ont posé problème, et si elles ne posent plus problème, quel levier vous avez mobilisé pour aller au-delà? Je ne dirais pas qu'il y a des choses qui posent problème, mais en fait, c'est le nombre de choses qu'on a envie de faire. Quelque part, le problème va être là, c'est le nombre de choses qu'on a envie de faire ou qu'on veut faire, et qu'à un moment donné, il faut bien qu'on priorise, sinon on va juste se disperser et saupoudrer un peu partout, alors qu'on veut vraiment être impactant dans les actions qu'on mène. Donc voilà, je pense que s'il y a un frein plus qu'un problème, c'est de se dire qu'on a envie de faire plein de choses en fait. Oui, c'est le temps. Non, c'est vrai, c'est vraiment le temps, notre temps en tant que responsable RSE, mais aussi le temps des équipes qui sont consacrées sur effectivement des sujets commerciaux, mais qu'il faut vraiment embarquer en fait dans les sujets. Enfin, il faut intégrer en fait les sujets RSE dans les sujets commerciaux. On les fait de la même manière. On les suit. On parle au directeur de région. On parle au directeur de magasin. Mais après, derrière, effectivement, il faut prendre le temps. Et puis, alors entre guillemets, on a que entre guillemets 114 supermarchés. Mais n'empêche que pour embarquer 114 équipes, le projet met un temps de. Il y a un temps incompressible d'explication et d'embarquement. Merci beaucoup. Je reprends une petite question d'une participante en ligne. Quelle démarche, quelle stratégie adoptez-vous pour réussir à amener les parties prenantes vers votre vision de la RSE? Est-ce que vous avez des stratégies d'approche? Comment on réussit à expliquer sa vision, ses valeurs? Quand on approche un partenaire, par exemple, quel qu'il soit, est-ce que c'est facile ou est-ce que... Il y a quelque chose aussi, alors moi qui résonne hein, dans cette question également. Notre démarche aussi, elle doit nous permettre de renforcer l'attractivité de nos métiers. On n'a pas parlé, nous on est sur des métiers qui sont parfois compliqués, des métiers qui ont été... qui ont été aussi mis au devant de la scène en fait, durant cette période de crise sanitaire. Parfois, on s'est questionné sur l'attractivité. Et donc, le fait aussi de pouvoir s'engager dans cette démarche et d'impliquer les parties prenantes, c'est aussi en fait, reconnaître une forme d'attractivité du secteur, parce que finalement, on est dans un espace-temps où en fait, on peut oser, on peut rêver. Ça, c'est quelque chose en fait, que je trouve aussi important et que l'on n'a pas assez affiché. J'ajouterais simplement en fait, à partir du moment où on a co-construit avec nos parties prenantes et qu'on n'a pas imposé, ça se fait assez naturellement au final. Donc j'essaie de me remémorer, mais on n'a pas été confronté à ce genre de sujet. Comme je dis, on a travaillé avec nos fournisseurs en amont, on embarque nos équipes, on embarque nos clients, on embarque notre écosystème. Donc aujourd'hui, on ne s'est pas trouvé confronté à ce type de problématique. Oui, et je trouve qu'il y a vraiment aussi une appropriation. Aujourd'hui, la RSE, c'est presque... les équipes sont convaincues qu'il faut y aller. Après, l'idée, c'est de leur donner les outils et les moyens et les projets qui donnent du sens au quotidien. Mais il y a vraiment... Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus la barrière de... C'est quoi ce truc en plus qu'on vient nous rajouter et qui demande du travail supplémentaire. On est vraiment sur plutôt une accélération des projets. Et justement, le plus dur, c'est plutôt de dire attendez, on va essayer de lui donner plus d'ampleur et de pouvoir le dupliquer ailleurs. Merci beaucoup. Je pose une dernière question.
un peu plus spécifique. Avez-vous mis en place des feuilles de route d'efficacité énergétique de vos magasins, de vos locaux? Et si oui, est-ce que vos collaborateurs se sont investis? Donc là, la question, elle est spécifiquement sur l'efficacité énergétique, mais ça peut être d'autres sujets. Je ne voudrais pas répondre à côté de la question, de ce que je pense comprendre. Donc oui, nous mesurons la consommation énergétique de nos magasins. On a fait des installations spécifiques qui nous permettent d'avoir des actions correctives quand on voit qu'un magasin est par exemple surconsommation par rapport à sa superficie. Donc si c'est ça le sens de la question, donc oui, c'est tout à fait mis en place, c'est suivi. Et du coup, forcément, les collaborateurs des surfaces de vente en question sont informés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour agir, quels gestes ils peuvent faire au quotidien, etc. Donc du suivi, de la mesure et puis de la sensibilisation ensuite également pour, oui. Pour corriger ou s'améliorer. Super. Oui. Parce que, effectivement, bon, ce n'est pas le sujet de cet échange-là, mais ce qui est important à un moment donné, c'est de mesurer ce qu'on fait pour voir comment on avance, si on avance bien. Voilà, donc à chaque fois qu'effectivement il y a des objectifs ou des ambitions qui sont proposées, elles sont targetées par des indicateurs pour voir effectivement comment on avance. Donc oui, sur les magasins, la consommation énergétique est suivie. Sur nos magasins, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a donné en fait un objectif de réduction par magasin sur leur consommation d'électricité, en leur disant à la fin de l'année, il faudrait que, enfin, on avait un objectif global de l'entreprise qu'on a redécliné en fonction des magasins qui allaient avoir un remodeling. Donc forcément, c'est plus simple quand tout d'un coup on passe en LED et que nos meubles froids sont fermés de faire une réduction d'électricité. Donc l'idée, c'est de consommation d'électricité. Donc là, on a redispatché l'objectif en fonction des remodeling qu'ils allaient avoir pour pouvoir atteindre cet objectif global. Hervé, est-ce que tu as... Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie pour nous qui manque à la démarche. Donc c'est se doter en fait des indicateurs, mais aujourd'hui on n'a pas ces éléments de mesure. Ça marche. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les trois. On arrive à la fin de cette session. On a vraiment, j'ai vraiment passé un bon moment à vos côtés. Et vos témoignages sont vraiment inspirants. Et comme je le disais tout à l'heure, ça montre vraiment qu'il y a plusieurs façons de s'engager, de mobiliser, plusieurs voies aussi pour réussir à donner de l'ampleur à sa stratégie RSE. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci pour vos questions aussi. On espère qu'on a pu y répondre et vous aider grâce aux témoignages de nos trois structures. Vous pouvez retrouver toutes les démarches RSE des structures qui sont candidates au Trophée de l'économie responsable 2020 en vidéo sur la chaîne YouTube de Réseau Alliance. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous pouvez voter encore jusqu'à ce soir, puisque la vidéo qui aura le plus de likes sur YouTube se verra décerner le prix coup de cœur du public. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Vous pouvez aussi retrouver les intervenants, les équipes de Réseau Alliance et du World Forum sur la marketplace virtuelle du forum. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter, on est à votre disposition. Et puis là, à suivre juste après notre conférence, on vous donne rendez-vous avec la plénière d'ouverture du World Forum qui sera suivie de la remise des prix des trophées de l'économie responsable 2020. Merci à tous, bon forum et à bientôt.